Salut, tu m'en sais quoi? Tiens, ça va ou quoi? Bon, aujourd'hui, on va faire une surprise à la Urban Ball Lens qui prennent les stages Urban Ball Camp à la Défense. On va aller voir ce qu'ils donnent et c'est le dernier jour, donc ils vont faire un petit show de freestyle. Je vous montre tout ça et peut-être qu'à la fin, on ira les tester. C'est parti. Je me suis fait griller. Qu'est-ce qu'ils font dehors? Ils sont en récré. C'est mal à la récré. Mais pourquoi vous n'êtes pas en train de vous entraîner là? Parce que vous n'êtes pas. On va te défier, c'est un, on va te défier. Ah, tu vas me défier? Kepa, ça te prend pas le gars. Je suis mort. Il est fatigué, le pauvre, ils l'ont épuisé. Ok, le mec est prêt, maillot du PSG, numéro 21 et tout. Il s'appelle CN à ce qui paraît. Ouais. Bon, voilà, ils sont en train de s'entraîner là, tranquillement, ils vont préparer le show. Hein? Ok, tout simplement, vous lâchez. 5, 6, 7, 8, go! On peut tous faire un maximum de bruit pour Trafic qui était là. J'en ai vu certains qui ont essayé de faire un tricks, mais l'important c'est pas le tricks, c'est comment tu vas le faire. C'est-à-dire qu'il faut le faire avec le smile, ou alors si tu le loupes, peut-être rigoler parce que tu l'as loupé et dire au public, attends, regarde, j'ai loupé, ok, calme-toi, regarde ce que j'ai fait. Voilà, YouTubeurs, crossbar challenge, ils sont en pression les petits. Regarde, ils sont en pression. Le gagnant du crossbar challenge, il gagne la Urban Ball. C'est parti. Ouais. Ouh là là, c'est le poteau. Il est confiant. Ouh, tout au-dessus. Le mec a dit je fais un freestyle juste avant. Attention. Ok. Ça y est. Oh là 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 là. Ils font pas de bruit parce qu'ils sont dégoûtés. Le mec il a trop de bruit. Il a fait son freestyle. Et là, comment t'appelles déjà? Jules. Mais ne perds pas ton prénom. Non, Jules, mais ma chaîne YouTube c'est Tony Curtis. Ah, il veut de la pub, allez sur sa chaîne les gars. Oh, sobriété à l'intérieur du pied, magnifique. Il a décidé de lever la balle. En l'air. Magnifique. On a trois finalistes. Trois mecs dans un style différent. On a un mec qui a fait du freestyle, il l'a mis direct. Ensuite, on a un gars qui a joué plutôt football intérieur. Et on a un qui a dit, moi je joue la balle en l'air, regardez ce que je sais faire. Trois finalistes, c'est la mort subite. Celui qui met la crossbar, il a gagné. On nous a dit que ça allait faire le no-look crossbar. Il va quand même le tenter. Vas-y, fais-nous un petit no-look. Oui, oh là 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 là, j'ai même pas vu, j'étais tellement abasourdi. C'est quoi ton prénom? Léo. Léo, on peut faire un maximum de bruit pour Léo. Ouais. Voilà, Léo gagnant du crossbar challenge du Urban Ball Camp. Bien joué Léo. Urban Ball, nouvelle matière, on va faire une petite interview comme les professionnels. Alors Léo, que penses-tu de cette victoire en direct du crossbar challenge? Je savais pas que j'allais gagner. Ok, il a réussi, il a dit que même avec le stress j'ai réussi, je sais pas pourquoi. C'est normal, t'avais le bon t-shirt on va dire aujourd'hui. Voilà, bon bah... Faut faire comme lui, hein. Faut s'entraîner. Voilà, vous allez venir un par un, on va le faire. Vous serrez bien les mains quand on vous appelle. Mohamed Amraoui, David. Bravo mon gars. Pour toi. Carrément, on leur remet un stage, un carnet de stage, comme à l'école, avec tout un diplôme et tout. Je vous montre ça après. Léo, bougez, on applaudit. On l'appelle Nolou. Parfait, merci à toi. Pas les gars, quoi. Ouais, chef, bon. Qu'est-ce que ça dit quoi alors? Qu'est-ce que ça dit? Bah, prochain stage, peut-être qu'on se verra. Eh, vous savez quoi? Allez checker la chaîne de Kesh. Parce qu'il m'a battu, genre au petit pont, je mets des petits ponts dans la rue, tout ça. Mais il fait plus de vidéos, c'est comment? Kesh, vous savez quoi? Je l'ai battu une fois, vous en rappelez la vidéo, vous l'avez tous vu. S'il y a une seule personne d'entre vous qui vient sur ma chaîne, qui s'abonne, une seule, on fait la revanche. C'est ça? Yes, Kesh. Une seule personne. Voilà, il est chaud. Ouais, c'est Emilio. Ouais, bien. Emilio, c'est un petit urban baller. Ça va, tranquille, Emilio, tu t'entraînes? Ça te dit quoi? Ouais, je m'entraîne.
Dis un petit mot à tous les petits jeunes comme toi qui regardent et qui veulent devenir forts au freestyle. Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, entraînez-vous et vous découvrez, je sais pas si vous y arrivez pas. Si t'entraînes, à un moment, tu vas y arriver. Ok, Emilio, merci à toi. Bon voilà, YouTube, c'est la fin de la vidéo. J'espère que t'as kiffé. Encore merci à tous les Urban Ballers qui sont venus faire le stage. C'était un kiff de vous rencontrer. J'ai été super impressionné par votre show et par votre présence. On a désigné quelques champions. Si toi aussi tu veux être un champion, bah viens faire les stages Urban Ball. Le prochain sera aux vacances de février. Je mettrai les liens dans la description. Et d'ailleurs, j'ai envie de savoir, février, qu'on se déplace, parce qu'actuellement, on est à Paris. Mais peut-être que toi, t'as envie, peut-être t'es à Marseille, peut-être t'es à Lyon. Ce que je vais faire, c'est que dans la description, je vais mettre un lien. Ce lien, vous pourrez voter sur votre ville où vous voulez que moi ou les stages Urban Ball viennent. S'il y a une ville qui se détache par le nombre, eh ben on viendra donner un stage Urban Ball dans sa ville aux prochaines vacances ou aux vacances prochaines. Voilà, j'espère en tout cas, si t'as kiffé la vidéo, tu mets un maximum de likes. Donc ça veut dire tu prends ta mère, tu lui dis qu'elle met un like, tu prends ton père, tu dis qu'il met un like, tu prends ton petit frère, ta petite soeur, ton chien, tout le monde met un like. Et puis voilà, tu t'abonnes à la chaîne si t'es pas abonné, puis on se voit à la prochaine séance. Bye.